Salut à tous et bienvenue pour un nouvel apéro du JV. Je vois que dans le chat vous êtes déjà pas mal, il y a toujours les habitués, Badre, Koba, Théo qui est là, merci à vous, c'est le dernier apéro de la semaine ils sont en off, ils vont arriver, ils commencent à dire des conneries. Donc dernier apéro de la semaine, mais demain ou le samedi, il y a l'apéro du week-end, n'oubliez pas. En tout cas, merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et avoir de pas mal de retours très positifs. Ça fait vraiment plaisir. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui vont arriver, il y a pas mal de changements qui vont arriver autour de mes chaînes. Mais du coup, voilà, je vais intégrer directement, accueillir mes invités du jour. Regardez, ils sont là. Nous sommes avec Jordan, ta fenêtre à la bouillée. Non. C'est bon, ça marche. Eric et Quentin, Jordan, salut, comment vous allez ? Salut, Eric, salut Jordan. Salut Quentin, salut Jordan. Donc, si vous ne vous connaissez pas, faites connaissance entre vous. Je pense que c'est plutôt intéressant de savoir avec qui on est pour faire une bonne émission. Donc n'hésitez pas. On se connaît, Jordan, on a fait des soirées un peu copines, hein, une période. Ouais, oui. C'est l'image, ouais, oui. C'est connu. Ah ouais, apparemment. Les soirées de Jordan. On a perdu Quentin. Ah, ça y est, il est revenu. Non, bon. Je suis là. Je te vois pas, Chris. Je vois que Jordan c'est et normal. Eric. C'est normal. Tu entends. C'est normal, voix, d'accord. Sinon, très après, bien. Après, il y a des petits bugs. C'est pour ça que c'est pour optimiser le flux. Mais là, du coup, ouais, c'est une Montélimar contre Paris. Parce que là, il y a deux Parisiens, deux Montiliens. C'est un peu le duel. On va voir un peu qui l'emporte. Mais en tout cas, ça me fait très très plaisir de vous accueillir. Dans le chat, vous êtes là. Donc, Eric et Quentin, excellent. Apparemment, vous êtes connus. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui font les soirées avec vous. Donc, vous êtes connus. C'est cool. Vous connaissez. Ouais, bah, Montélimar. Qu'il ne raconte pas de trucs. Hein. Déjà, chez nous. Ah, mais nous, on est ouvert, très ouverts d'esprit. Et c'est génial. Oui, d'esprit. On a un grand esprit. Du coup, merci à vous. On va passer à la première partie de l'émission qui est donc le tour de table pour un peu faire plus ample connaissance. Pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc c'est parti pour le premier jingle et préparez votre présentation. Voilà, donc putain. Mais si, il prend de la cocaïne, Richard, déjà. Ah oui, bien sûr, il arrête. Attends, on est à l'antenne. Oula, merde. Ça va, Chris? Ça va super bien, tout se passe bien. Juste un petit peu de poudronné, mais tout va bien. Du coup, on va commencer avec le Montilien. Hommage à toi, Jordan. Dis-nous un peu qui es-tu, pourquoi es-tu là. On t'écoute. Je suis personne, je suis là parce qu'on m'a forcé. Et bonjour à tous. Je force personne. Salut, Jordan. Tu fais quoi dans la vie, Jordan? Alors, je travaille pour un prestataire de santé à domicile. D'accord. Donc, je m'occupe particulièrement de l'oxygène médical à domicile en ce moment. Ah oui. Et voilà. Et comment tu as connu Chris ? Par hasard, il y a quelques années sur Internet, il lançait ses vidéos sur Rockstar Mag. Et... Ouais, ouais, les fameuses soirées de Montélimar, tu vois. Et voilà, et les bonnes soirées de Montélimar ont fait que. on s'est connus avec un masque, on s'est découvert sans le masque. Et depuis, il me suit pas mal de temps, donc ça fait plaisir. Parce que je l'avais déjà invité, mais il m'a fait un faux plan il y a deux semaines. Donc, ça me fait plaisir. Bravo, hein. Il est comme ça, il est comme. Ah bah oui, ça me toujours, fait plaisir de te recevoir, c'est vraiment cool. Dans le chat, il y a du Rockstar Mag avec un petit cœur. Tu vois, avec Rockstar Mag, plein de personnes m'ont connu, donc ça fait plaisir. Et pas pour nos soirées. Bien sûr, Rockstar Mag. Pour pourtant. On passe à Eric. Pour ceux qui ne te connaissent pas, alors que tu es en train. Oula, mais tu bois quoi, une petite tisane? Non, c'est du vin. Mais j'avais plus de verre avant. Eric, 35 ans, cancer, célibataire. J'aime la vie, j'aime croquer à pleines dents toutes les choses de la vie qui sont positives. D'accord, c'est une très belle présentation. Tu fais quoi dans la vie, Eric ? J'ai l'impression d'être dans la route de la fortune. je travaille avec le grand qui va suivre sur France Inter. On fait une émission de rap qui s'appelle Le Grand Urbain le samedi à 21h, à retrouver aussi en podcast. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et puis je joue aux jeux vidéo accessoirement quand même. Ah, et je fais des top 1 sur Warzone. C'est pas ce que t'as fait. Pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui. Et non, ça marche bien ces top 1 ou pas ? J'en ai 17 avant d'actif. Je suis très fier de moi. Et du coup, la fin du tour de table, c'est toi Quentin. Dis-nous tout. Quentin, bonjour Quentin. Bienvenue. Qui es-tu ? Alors, bonjour Quentin. Enchanté. Alors moi, j'ai fait 14 ans de prison en Corée du Nord.
J'étais agent double de la DGSE. Maintenant, je suis indépendant. Et surtout, je travaille avec Eric, qui est présent dans ce chat, et pour une émission qui s'appelle Le Grand Urbain sur France Inter. Voilà, une émission sur les cultures urbaines. Il n'y a pas le CSA, on peut se resservir. Oui, tu peux, tu veux. Santé à vous. Santé, santé. Là, on est tous au vin, voilà, c'est très beau. Santé à vous, santé dans le chat, hein, vous êtes nombreux à nous suivre. Santé Montélimar. Santé Montélimar. Santé Paris aussi. Apparemment, tu vois, Eric, ta réputation te suit parce qu'il y a Koba qui fait « Je sens que Eric va partir en sucette comme la dernière fois. Non, j'ai pas pris le saké exprès là, je garde juste le vin blanc. La fois, on rappelle que Eric était en slip en train de désinfecter son appartement. Donc c'était très bien parce que c'était le début du confinement, fallait faire les gestes barrières, fallait tout désinfecter. Là, il y a eu la barrière. Très important. Du très coup, important. Voilà, c'est nickel. Donc ça me fait plaisir. Merci dans le chat d'être nombreux. Donc il y en a encore qui parlent d'Emma Watson. Arrêtez de parler d'Emma Watson parce que voilà, vous avez entendu parler, c'est un peu l'info de la semaine. Et. Ouais, enfin, t'as été très naïf là-dessus. Pourquoi j'étais très naïf? Qu'est-ce que tu... Alors, quelle est la... Moi, j'ai pas suivi pour les gens comme moi qui n'ont pas suivi. Tu vois qui est Emma Watson? Eh ben, oui. La joueuse exactement. De tennis. Exactement. Elle est, ça y est, en couple. Du coup, voilà, moi qui étais sur le dossier, malheureusement, je. Qu'est-ce que tu es naïf, mon pauvre? Qu'est-ce Pourquoi que tu as des dossiers, elle n'est pas en couple, c'est ça? Moi, je dirais rien, tu sais. Je dirais rien. Tu la croises en soirée aussi? Ouais. Bon, mais voilà, du coup, c'est un peu. Et comme ma communauté sait qu'on était en relation, tu vois, qu'on était tous les deux un peu sur le coup, ils savent que je suis un peu déçu, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. T'en fais pas, Chris. J'ai des infos. Je te les livrerai tout à l'heure discrètement sur les mains. T'es en bonne santé, c'est le principal. Ça me fait plaisir que tu aies des infos. Du coup, les amis, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux hein, que le chat, bon, dans le chat, apparemment, tout le monde vous connaissait, donc voilà, c'était un peu le tour mais de table un peu inutile. Mais du coup, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission qui est oui, c'est le principal. Pas besoin d'applaudir. Je fais les applaudissements comme en télé de merde. J'aurais dû te mettre les faux applaudissements, tu sais, le truc très... Deuxième partie. Un vieux truc en tout cas, dans le chat, il y a Raphaël Farmer qui nous fait « Eric a des airs de Tyrion Lannister dans Game of Thrones ». Tu vois, le nain. C'est vrai. Alors, je ne sais pas trop comment le prendre. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'acteur Peter donc Dinklage. C'est une période ouais. de petite taille. Ouais, on voit très bien. C'est-à-dire que assis, c'est vrai que le sol est tout aussi proche. Donc, Le monsieur qui a fait... Le monsieur qui a fait cette blague est nanophobe. Voilà. Oui, vous n'êtes c'est pas bien du tout. J'arrête le chat. C'est reparti. Bon, Raphaël dit que c'est un compliment. Donc reviens, Eric, c'est un compliment apparemment, tu vois. Ah. C'est la coupe de cheveux qui fait ça. Oui, on va parler des cheveux pendant le confinement. Vraiment qu'on parle des cheveux. Bon. C'est vrai que c'est un peu une galère. C'est un peu tout pareil. Il y a la casquette. C'est pour ça, il faut camoufler, tu vois. C'est tout. Hein, c'est très sensuel quand tu fais ça. Fais pas ça, parce que dans le chat, tu vas déchaîner les foules. Non, mais c'est une perruque. Hein. C'est pas des vrais cheveux. C'est bien fait. Ça fait 15 ans quand même, ça dure. Ça fonctionne bien, mais bon. Bon. Au bout d'un moment, c'est vrai que... Toi, tu nous avais dit en plus que tu étais coiffeur dans la dernière émission. Et là, maintenant, tu changes de... J'ai arrêté. T'as fermé, ouais. T'as fermé, en plus. C'est un peu la merde, bon, quand même. En tout cas, Raphaël a dit que c'était un compliment, donc voilà, ne sois pas vexé. Et sur ces jolis compliments... Je verrai mon avocat. Voilà. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, qui est le qu'est-ce qu'on fait. Et nous allons parler de BFM, justement. Parce que je ne sais pas si vous connaissez BFM, mais on va parler d'eux dans la deuxième partie de l'émission. C'est parti. C'est la deuxième partie. Merci pour ce jingle incroyable. Du coup, oui, donc on l'a dit, on va parler un peu de tout et de rien. On sait que Eric, tu es joueur. Toi, Quentin, sur ton émission, on sait que tu aimes pas mal la musique, notamment le rap. Toi, Jordan, tu es joueur, t'aimes le rap? Les deux. Donc, toi, t'es vraiment un délinquant. Bah, c'est déjà pas mal. Ça fait plaisir. Donc, selon, on va dire, BFM TV, tu es accro et dangereux, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est sorti hier cette magnifique chronique en disant que
Une petite fille de 8 ans qui joue à Animal Crossing peut devenir accro aux jeux vidéo. Et le chroniqueur a quand même commencé sa démonstration par « Au diable !» C'est pour vous dire à quel point c'est dangereux. J'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez vraiment de tout ça, sur ça. J'imagine la petite fille de 8 ans complètement accro. « T'as nous à mon Animal Crossing, maman !» Non mais c'est pas possible. Ça peut, vous en pensez. Toi Jordan, t'en penses quoi qu'une petite fille de 8 ans soit accro à Animal Crossing et que sa maman s'inquiète au point de demander à ceux qui sont mieux placés, BFM TV, s'il y a un risque, t'en penses quoi? Non mais faut brûler BFM les gars, c'est inadmissible. Attends, non, on peut pas faire ça, ça c'est pas bien. Comment tu peux, enfin c'est n'importe quoi, c'est toujours pareil de toute façon, c'est taper toujours. Sur, après, c'est toujours le même cycle, c'est pour faire de l'audience. Toujours taper sur les mêmes personnes, tout le temps. Tout le temps, parce que ça fait de l'audience et que c'est toujours pareil, quoi. Et surtout, la maman, elle devrait s'inquiéter plutôt d'elle-même. Bien sûr, elle peut lui dire, si c'est une fille de 8 ans, elle peut lui dire, t'arrêtes de jouer, en fait. c'est réglé en deux secondes. Non, mais clairement. Tu peux prendre la console, de la poser un peu haut, tu vois, carrément aussi. Ben voilà. Donc, c'est réglé. T'as pas besoin d'écrire à BFM TV pour poser cette question. Non, mais après, c'est n'importe quoi. De toute façon, vu ce qu'ils ont pris, BFM, en vrai, c'est ringard. Ce genre de pot, c'est dépassé, c'est ringard. Non, pour faire un parallèle avec le rap, ils avaient fait un sujet il y a quelques mois en disant que les adolescents qui écoutaient Jul, ils faisaient des fautes d'orthographe. C'est pas en écoutant que tu peux faire des fautes. C'est là la transition que je voulais faire, parce que je sais que vous, du coup, vous êtes calé rap. Et justement, pourquoi le jeu vidéo, au même titre que le rap, sont autant montrés du doigt dans les médias et ont autant une mauvaise réputation? Parce que les médias sont vieux et que les jeux vidéo et le rap, c'est quelque chose de qui reste jeune, en tout cas, qui sait rester jeune. Voilà. Merci, c'était la période du JV, c'est terminé. ça a été, voilà. C'est vrai. En soi, c'est que des trucs de clichés, de yeuf, pour dire... Bref, et encore... Ouais, puis c'est toujours la symbolique de la violence entre les jeux vidéo, ça donne envie de prendre une arme, le rap, ça donne envie de casser des je sais pas quoi, enfin c'est n'importe quoi en fait. Dans l'émission, nous on avait un mec, c'était Chili Quentin qui nous avait fait une super bonne analyse par exemple au rap, parce que oui, il y a des paroles qui sont violentes dans le rap, tu vas pas dire c'est pas vrai, oui, il y a des paroles qui sont violentes, qui sont excessives, mais Chili, on lui posait la question, il te répond, c'est bizarrement, il dit c'est comme un film porno. Il dit, il y a ce qui se passe devant la caméra et ce qui se passe derrière. Et devant la caméra, il se passe des choses, mais ce n'est pas la réalité. Explique-nous ce qui se passe, parce que nous, on ne connaît pas. Explique-nous ce qui se passe derrière la caméra, devant la caméra. Voir ça, effectivement, comme une fiction. Non, mais c'est comme le jeu vidéo. Je voyais une vanne d'Edo, l'humoriste, sur Twitter, qui disait, justement, en prenant la défense des jeux vidéo, il disait, il n'y a pas la moitié de la population qui est devenue plombier parce qu'ils ont joué à Mario. Il n'y a aucune influence du jeu vidéo sur la vie de tous les jours, à part te défouler, à part t'amuser, mais c'est tout. Fin. Non, mais voilà. En fait, j'ai envie de dire, c'est ancestral, quoi. C'est le rock, c'était la musique du diable. Baudelaire, fallait pas lire à l'époque. Enfin, voilà, quoi. On dira que c'était bien. Et encore, je trouve que le jeu vidéo s'en sort bien. Je crois qu'on en avait parlé déjà, mais... Je pense que le jeu vidéo s'en sort mieux que le rap actuellement. Je pense que ça varie un peu, parce que bon, on rappelle quand même que le jeu vidéo est désormais une maladie, selon l'OMS, voilà, donc nous sommes malades, ça fait mal de se dire ça. Dans le chat, apparemment, ils sont d'accord, puisqu'on nous dit, donc Raphaël justement qui nous dit, la peur de voir l'industrie du JV qui continue de monter, c'est comme la guerre contre YouTube, les vieux médias ont peur. Je pense que c'est ouais, ils ont peur. Ils maîtrisent pas, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas. En vrai, ils savent pas. Il y a beaucoup d'a priori parce que les gens ne connaissent pas vraiment le jeu vidéo. Ils n'ont pas envie de. Ils connaissent pas. Ils n'ont pas envie de connaître. Voilà, c'est ça. C'est plus ça. C'est qu'ils connaissent pas. Mais après, il suffit de s'y intéresser. Pour être très honnête, sur l'émission Le Grand Urbain qu'on fait avec Quentin s'y connaît vraiment très bien en rap. Moi, je m'y connais beaucoup moins bien. Et c'est par Quentin et par l'émission et par les recherches. Donc, quand tu as envie de t'intéresser à quelque chose, tu peux le faire. Ouais. Ça s'appelle la curiosité. Exactement, c'est un manque de curiosité, en fait. C'est ça. Alors, qui est dingue. Là, quoi. Justement, on parlait de Jul. Jul, bon rappeur, mauvais rappeur. Ouais. Bon rappeur, et surtout, je pense qu'il est avant-gardiste. Alors, plein de gens vont dire, oh là là, non, pourquoi tu dis ça? Et ben non, pour moi, c'est quelqu'un d'avant-gardiste parce qu'il est en train un peu de transformer le rap en électro. Et je trouve ça assez cool, quoi.
Il offre une autre vision du rap, en fait. Et qui sommes-nous pour juger ? En plus, oui. Non, mais c'est vrai. C'est que, si, mine de rien, le mec a un succès incroyable, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il parle à une génération. Donc, plutôt que de dire c'est bien ou pas bien, comme BFM qui fait « Ah, bah, ceux qui écoutent Jules ne savent pas écrire. Ou... » Intéressez-vous. C'est que ça parle à une génération. Donc, ça révèle quelque chose. C'est ouais, ça qui est intéressant. Tu as plusieurs styles de rap. Tu as le rap conscient. Voilà, tu as le rap comme ça, un peu électro, un peu club. Enfin, et t'as le banger, t'as la trappe. Enfin, pourquoi, voilà. Jordan ? N'importe. À la Montalema. Et j'ai... T'es d'accord avec nous ou pas, Jordan ? Il boit, tu peux pas. Par rapport à quoi ? À Jules ? À tout, Jules ou au reste ? Alors, mais pour le jeu vidéo, c'est. Enfin, pour moi, après, c'est toujours une histoire de mesure, quoi. C'est. Il y aura toujours. Parce que, enfin, faut pas se mentir, quoi. Ça reste quand même. Une addiction, enfin moi je sais, j'ai besoin de jouer tous les jours. Mais c'est voilà. Une passion plus qu'une addiction. Oui, ouais, voilà. Tu vas pas être tremblement, tu vas pas être. Non, tu vas pas être quelqu'un, frapper quelqu'un. Non, mais c'est ça, après, c'est trop voilà, addiction comme... qui est dur, je trouve. C'est... Après, je pense qu'il y a un réel travail, surtout pour les jeunes, au niveau des parents, de réguler le jeu et tout ça, parce qu'en même temps, il faut que les gosses s'apprendre à l'école. C'est un peu ce qu'on disait avec la mère puis, de BFM. Au final, le vrai problème, ce n'est pas les jeux, les gamins, c'est les parents qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. Ouais, bien sûr. C'est toujours ça, quoi. Mais c'est beaucoup plus simple de dire bah, c'est à cause du jeu vidéo. Ouais, exactement. C'est pas à cause de moi, ouais. Quoi. Donc, non, mais en vrai, qui leur a foutu l'écran devant les yeux aussi? Là, tu vois, c'est-à-dire que non, c'est pas sûr. Eux qui sont allés chez Darty à 8 ans qui a dit « Ah tiens, Darty, pourquoi Darty ? J'en sais rien, personne ne fait ça. » Bah si, quand t'as 8 ans, tu vas à Darty. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est eux qui foulent le truc, c'est eux qui ils te mettent tout dans les mains. Donc arrêtez de dire que ça rend accro, c'est déjà vous qui décidez pas. Non mais c'est des réflexes de vie à avoir. Et je trouve qu'en fait, c'est le mot accro qui est pas bon. C'est ça qui rend le truc directement lié en fait à de la drogue. Mais, et d'ailleurs, super c'est très bien. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était avant le confinement, il y a le gouvernement qui a sorti un mini-livre pour sensibiliser les parents et les jeunes. C'était alcool, drogue, jeux vidéo. Donc le jeu vidéo cassé dans le. Autant l'alcool, oui. Mais... le jeu vidéo. Mais, non. Non. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu en début de confinement. Ça passait à la télé comme quoi ça pouvait aider à faire passer le temps et tout ça, donc on avait une meilleure c'était plutôt positif à ce moment là voilà. Moi je vous dis très sincèrement, moi je joue environ 2h, 2h30 par jour aux jeux vidéo, je fais du Rocket League et du Warzone et ben je kiffe. Non, c'est pas 10h. Non, je fais 2h30. Oui, 2-3h, oui. À 17h, en général, j'arrête ma journée jusqu'à 20h avant dîner, et ça me fait énormément de bien. Et je sociabilise, et je rigole, et je suis avec les potes. Alors, ça fait du bien. Ah, il y a des gens en moto dans ta rue, apparemment, Jordan. Ils viennent pour l'apéro, là. Ils viennent pour la soirée de ce soir. Il y a des bikers. Ils arrivent. Ils veulent leur bière. Ce soir, c'est soirée cuir moustache à Montélimar. C'est... Ouais. Ou arrière direct, ils sont arrivés. Non, mais c'est vrai que moi, c'est 2-3 heures, elles me font du bien. Je parle, je rigole. Alors, elles me font du bien, je m'énerve parce que je perds la partie et tout. Mais en vrai, c'est une vraie soupape. Je rebondis dans le chat parce qu'il y a pas mal de. Et vous savez ce qu'on devrait interdire ? La connerie humaine. Bravo, voilà. Bravo, Quentin. Bravo, voilà, c'est ça qu'il fallait dire à ce moment. Pas au bar PMU, on va leur dire. On va le dire, avec, ça. Avec la bouteille de vin. Mais en fait, dans le chat, je rebondis parce qu'il y a Jeff qui nous fait « Je déteste ce que fait Jules, mais je ne vais pas cracher dessus ni écouter. » Alors après, moi, je ne suis pas un consommateur de Jules. Bah, c'est bien. En c'est tout bien cas, tout ce qu'on m'a dit, il a une très bonne mentalité et on l'a vu parce que pendant le confinement, pour aider les hôpitaux, il a mis en vente tous ses disques d'or et ça a donné des idées. Voilà. Et ça, euros, sur ça, franchement, c'est vraiment cool. Donc, on peut aimer, on ne peut pas aimer, mais... Après... Tu peux, ouais, exactement. Si tu as des choses que tu n'aimes pas, ça ne veut pas dire c'est nul. C'est juste que je n'aime pas. Franchement, moi, c'est une leçon sur des trucs où je me dis, ouais, il y a des trucs que je n'aime pas, mais ça ne veut pas dire que c'est nul. Moi, Nolwenn Leroy, j'accroche pas, par exemple. Ben, mais voilà. C'est pas nul. Mais c'est pas nul, Quentin. Les Bretons aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. Et il en faut. Il y a Slouyeman qui fait passion pour le porno, c'est une addiction. Écoute, on a tous une passion. C'est pas une addiction, c'est une passion. Arrêtons avec ce mot addiction, employé à passionné du porno. C'est joliment dit. Hein, c'est... Papa, mon père. D'ailleurs, je t'avais dit, Eric, que je devais voir avec. Je connais ceux qui organisent les spectacles à Montélimar et on peut vous faire venir avec organisation d'une belle soirée pour vous. Hein. Avec grand plaisir.
Oui, parce que nous préparons un spectacle. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas au courant. À partir du mois d'octobre, on est à Paris, mais on va faire un peu certains week-ends en dehors de Paris, donc avec grand plaisir. Faut qu'on en reparle. On en reparlera, mais comme ça, vous verrez ce que c'est les soirées montiliennes qui sont. On organise une grande soirée jeux vidéo derrière. Rap et après concert de rap. Ça va, ça va être plutôt sympa, mais ça va encore se terminer à 5h du matin chez Jordan. On sait dans quel état. Ouais, pas de problème. Ils sont où mes vêtements? C'est n'importe quoi. du coup, dites-nous dans le chat. Non, mais il y a eu plein de commentaires, j'ai pas vu, ça parle beaucoup dans le chat. Il y a moi 97450, je joue au moins 10 heures par jour. Là, c'est une grande passion. Bah ouais, mais et puis si tu peux, si ça te bouffe pas sur ta vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Voilà, si tu peux te le permettre. C'est juste après, c'est pas être accro, c'est trouver l'équilibre. Donc c'est juste trouver l'équilibre avec ta vie de tous les jours, les gens qui t'entourent aussi. Bah, justement, et voilà. En plus, avec le confinement, forcément, ça aide énormément. Bah, évidemment. Bah, en ce moment, c'est l'excuse, on va dire. Je pense que ça, ça doit aider quand même hein, certaines personnes à moins passer le temps. La drogue, c'est dur. Hein, ouais. Est-ce qu'il vaut mieux jouer aux jeux vidéo 10 heures par jour ou boire de l'essence 10 heures par jour? Ah bah, voilà. Et jouer aux jeux vidéo. Bonjour, les bonnes questions. Comme quoi, les jeux vidéo sont mieux que l'essence. Bah voilà. Déjà, c'est bizarre. As-tu essayé l'essence déjà derrière moi? Non, mais je vais bientôt commencer là. En fin de le confinement, ça commence à peser. Hein, apparemment, plus l'essence, ça fait un peu halluciner. Donc, tu pourras même te sentir en phase avec d'autres personnes. Ça peut être. Alors, Chris connaît très bien, apparemment. Un connaisseur. Je précise pour les plus jeunes, on ne boit pas de l'essence. Bien sûr, bien sûr. C'est une blague. évidemment. On va pas avoir des soucis, même si on l'a dit, il n'y a pas de CSA. Donc ici, on peut faire un peu. Voilà. Les jeunes peuvent nous écouter. Troisième partie de l'émission. du coup. Parlant de cette émission, donc là en plus maintenant elle arrive en version un peu depuis chez vous parce qu'elle a changé. On peut carrément comment ça se déroule, comment vous êtes amené à faire ça et est-ce que après le confinement c'est une émission qui peut garder ce format? Ouais. Tu parles du grand urbain, ce qu'on fait. C'est hyper galère parce qu'on le fait par téléphone, donc chacun de notre côté. Il y a Quentin au téléphone, il y a moi au téléphone, notre réalisateur. Et nos invités, on a eu Roméo Elvis la semaine dernière, là on a Rimka cette semaine, c'est pas évident, c'est rigolo comme exercice, mais c'est pas évident parce que... C'est très froid, t'as pas l'ambiance studio. Tu peux pas regarder, donc si on veut s'interrompre pour parler, on peut pas. Donc, et en plus t'as toujours ce temps de latence de merde, une ou deux secondes, tu sais, quand tu parles, et t'attends la réponse de l'autre comme ça, et ça c'est pas évident. Mais c'est plutôt cool à faire parce que les artistes jouent le jeu et tout. Ouais. Ils sont très contents aussi qu'on puisse passer de leur son et tout parce que c'est con, c'est des droits d'auteur, ça les fait un peu vivre dans ces périodes-là. Mais on est super contents en fait. C'est un nouveau principe quoi, de production. Et pourquoi vous le faites pas? La production blesse, on appelle ça. C'est bien. Et pourquoi vous ne le faites pas par Discord? Alors c'est une très bonne question parce que nous sommes déjà vieux. Et que je pense que, tu vois, moi, j'ai connu Discord grâce à Jérémy de chez Unit. Mais je pense que c'est encore un média très, très jeune et que d'autres personnes n'ont pas encore accès à Discord. Comme on fait là. Oui. Exactement. Ouais, mais après, parce qu'on ne le fait pas filmer. Parce qu'après, on veut quand même produire un objet radiophonique, donc avec un bon son. Et notre réalisateur qui est excellent par rapport Jérôme à ça, qui vraiment est accro au son, mais de la bonne manière, j'ai envie de dire. Il est passionné de son, on va dire. Insiste pour. Ah ouais, non, mais c'est génial. Non, mais je trouve ça génial parce que, en fait, il va être attentif au moindre truc où nous, on ne se rend pas compte si il y a un petit pet, etc. On s'en fout. Lui, non. Et ça, c'est ce qui va donner la qualité de son à l'émission. Donc, on passe par un truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, Quentin, Lucie. C'est eux, ouais, c'est un logiciel, ouais. Lucie, ça s'appelle. Rien à voir avec personne connaît. Elle a participé à une soirée aussi, c'est ça? Oh non, ça, c'est... non. Et voilà, c'est reparti. Ouais, on est chez Bibi. Et c'est depuis que je vous côtoie que je suis comme ça. Excusez-moi, j'ai juste le film de ma mère. Tu me laisses tranquille. Je suis à l'apéro du JV. Ouais, il y a des petits soucis. Enfin, elle est un peu nerveuse pendant le confinement, sa maman. Et on répète. Mais ça va aller. Ça va, comment elle va? Ça va très bien. Ça va, ça. Elle t'embrasse d'ailleurs, elle t'appelle tout à l'heure. On répète que le jeu vidéo et le rap ne rendent pas violent. Hein, c'est. Non. En tout cas, voilà.
C'est la passion. C'est moi, je parle de ça depuis que j'ai fait l'interview avec vous deux, qu'on était tous les trois sur un petit canapé. C'est depuis ça que ça a changé ma vie. Je sais pas si vous vous rappelez. Et c'est là que j'ai appris les premières soirées d'ailleurs. C'est dit comme ça, le dit ça comme ça, bizarre, tout l'interview sur ça. Mais oui, on était sur un petit canapé. Non, mais c'était intéressant. Oui. C'était notre première rang. Dans le noir, quasiment en plus, pour ne rien vous cacher. Il n'y avait pas de lumière, c'était un peu spécial. Et l'interview est disponible sur YouTube, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment cool. Et c'est là que j'ai appris que vous faisiez les mêmes soirées que moi et que du coup on a continué à rester en contact. Comme quoi, vous voyez, les passions dans la vie, ça peut lier de faire de bonnes choses. On porte plus les mêmes masques hein, depuis, mais on en porte toujours. On va parler un peu de comment vous occupez votre confinement déjà. Jordan, il est en train d'écluser son verre, il est là, il n'y a rien. Je le vois à chaque fois que je regarde Jordan, il est là avec le verre. Lui, il est venu pour boire. Il est là, je. C'est bien ça, c'est l'apéro, il a bien raison. On va parler un peu de votre confinement, déjà savoir si ça se passe bien et comment vous faites pour vous occuper. Donc toi, Jordan, déjà, est-ce que tu es confiné ou est-ce que tu travailles? Ah bah non, moi je bosse. Je bosse durement. Parce que toi, du coup, tu fais de la santé, donc t'es même au contact du fameux Covid. Oui, bon après, ça, au début, on a été vraiment au contact, mais là, ça... On reste dans les maisons de retraite et tout ça, donc on évite quand même de côtoyer de trop près les patients. Alors, quand même. Et voilà. Ça doit être rude à vivre, sans rien. À vivre ouais. Non, ça va. Non, bah, au début ça faisait très peur, parce qu'on savait rien. Hein. Même aujourd'hui, il y a tout qui change tous les jours, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais non, enfin, on s'y habitue, quoi, tous les jours. Les gestes de nettoyage de mains, masque et tout ça. Donc toi, tu n'es pas vacciné en fait depuis le départ. Toi, ah non. Tous les jours au travail. Voilà, il n'y a que le week-end où je suis confiné, sauf quand je suis de garde. Et sinon, voilà. Mais non, je ne le sens pas trop. Ma femme un peu plus. Ouais. Sans indiscrétion, tu as des enfants? J'en ai un, ouais. D'accord. J'en ai un, ouais, qui a 3 mois, là. Ah, ouais, moi, il va sur son quatrième, il est tout neuf, tout frais. Ouais, donc les nuits doivent être évidentes, non? Il est tout lisse. Non, ouais, non, voilà, je suis papa depuis 3 mois et demi, là. Et bah, t'as de la chance d'en être terrible. Moi, t'as une famille, voilà. J'ai marre de famille. Merci. Bon. C'est pas grave, c'est... Et si on passait à autre chose? Couper, Chris. Si j'ai pas envie que tout le monde soit. On est en direct, avec tout le monde au courant. Ah merde, merde. Merde. Les miracles existent, Eric, tu sais. Je rigolais. les miracles existent, ça peut. Et donc, ouais, je vais pas croire. BFM, pas sympa. Hein. Oh là là. C'est pas cool. Comment tu veux tenir un rythme comme ça? Non mais du coup, on passe à toi, Eric, justement. Est-ce que tu vis bien ton confinement? Parce que tu nous avais dit il y a un mois quand t'es passé la première fois que tu vivais plutôt bien. Là maintenant, un mois plus tard, comment ça se passe? Écoute, ça allait très bien, mais là, le mauvais temps depuis 2-3 jours. Ouais, j'en ai marre. Là, j'ai envie de sortir, de boire des verres. Là, je le sens un petit peu. Après, en même temps, je le vis pas non plus mal. Hein. Je continue à me coucher assez tôt, avant minuit. Je me lève tôt, je bosse, je joue, je fais beaucoup de sport. Paradoxalement, c'est pas une vanne, j'ai fait 300 trucs de corde à sauter aujourd'hui. Là, je deviens accro, tu vois. Je deviens complètement. Enfin, bref. Mais ouais, là, ça commence à faire un peu long. Ouais, je m'y suis mis. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à lancer en championnat, hein, sorti de. J'ai des haltères. En vrai, c'est incroyable. Je fais plein de trucs. En fait, je m'écroule de sport le soir. Donc, si vous avez des enfêtes, je suis preneur. T'as essayé le ruban là? Tu sais, le ruban. J'ai comme un GRS là. Vachement bien ça. Tu me vois dans la rue comme ça avec mon ruban de GRS. Déjà, la police m'a contrôlé alors que j'étais encore d'assauté. Donc, tu me dis un peu comment. Ça a été un peu particulier avec eux.
en disant vous n'avez pas le droit de faire de jogging, monsieur. Je suis pas, c'est pas du jogging, c'est de la corde à sauter. On a eu un échange. Bon, j'avoue, j'ai explosé de rire, mais tu te sens un peu con avec ta corde à sauter. Mais c'est, mine de rien, ça crève la corde à sauter. Bah, écoute, voilà ma reco pour tout c'est... Bon. C'est très dur la corde à sauter. Ça s'appelle une dépression, hein, ce que je suis en train de vivre. De la corde à sauter, bah écoute, c'est un très bon moment qui voulait me. Non, mais en vrai, c'est... tu sais que ça crève, vraiment. Je suis crevé après, j'ai des courbatures. Ouais, je fais du sport, jeux vidéo, et je lis et j'écris beaucoup. Au début, je pensais que c'était une connerie, là, je me rends compte, en fait, c'est vraiment vrai. Ah non, je suis sûr. Je t'imagine dans la rue. Non, c'est gelé, d'accord. Bah, non, écoute, mais... après, comme il pleut, tu le fais sous la pluie, il y a son père. Donc, en tout cas, très bien, le sport, c'est très bien. Ouais, faut... dans le chat, justement, il y a plein de personnes qui te félicitent, Jordan, pour ton... d'être devenu papa il y a très peu de temps. Bon, bah, ça va. Merci, les gars. Il y a. Mais allez. Ah. Par contre, nous rien du tout. Il y a du soutien pour Eric en disant que la corde à sauter, c'est pas facile. Donc, bravo. Toi, du coup, Quentin, comment tu vis ton confinement? Comment ça se passe? Bah, écoute, plutôt bien. Moi, je fais des pâtés en croûte toute la journée. Voilà. Donc là, je me suis vachement amélioré. Début de confinement, c'était pas terrible. Et là, j'ai réussi à trouver les formes et tout. Je suis plutôt content de mon couple. Voilà. Donc, pâté en croûte, ça fait 2 mois, là, 4 mois. Voilà. Bah, chacun ses trucs, enfin, je veux dire, y a pas d'eau. Mais exactement, c'est très très bien, c'est très très bien. On en revient en passion, là. Pour pas me cacher, je me lève un peu plus tard, je me couche un peu plus tard. Eric, et je me lève un peu plus tard. Temps, hein, c'est normal, la cuisine. C'est long, à peu près. Bah, c'est la préparation, c'est au moins 6 heures de préparation, au bas mot, et la cuisson, on est sur du 1h30, ouais, à basse cuisson. Ça te met quand même 7h30 dans une journée, hein. Bah ouais, t'imagines, ouais, et après... À 15h, bah, à 22h30, t'as à peine c'est... terminé, quoi, il faut le manger derrière. Après 20h, le JT, et après je vais me coucher, quoi. Boulot, je regarde boulot, bah, oui, et je il y a me boulot, et Tu vois, on est beaucoup plus efficace que Jordan. Là, ouais. Et du coup, est-ce que t'as du temps pour le sport, Quentin? Ouais, je fais ce qu'on appelle du fitness le matin. Donc voilà, quoi, je fais des petits exercices et tout. Et quand je peux, je vais courir. Mais il faut savoir qu'à Paris, dès à partir de 19h, les joggeurs peuvent sortir. Donc Paris se transforme en piste d'athlétisme. Et c'est très énervant, en fait, parce qu'il y a tout le monde qui court, et donc t'as pas envie d'aller courir. Parce et que... c'est quelle heure le matin parce C'est que avant 10h. Avant ah, 10h. C'est pour ça, il était 10h30, et les mecs m'ont dit, monsieur, vous pouvez pas, etc. Ouais, ouais. Okay. Donc, bon, d'accord, la sauter plutôt le matin, plutôt. Ouais, je suis un peu un bad boy. Moi, je vois ça. Donc, dans le chat, ils disent qu'ils nous fassent goûter quand il vient à Montélimar. Donc, apparemment, ton pâté en croûte est attendu à Montélimar, Quentin. Donc, j'espère que tu voilà et ben c'est et, noté ouais, donc, c'est noté du coup bah n'hésitez c'est pas noté. Et du coup cet été je descends bah, avec mon pâté en grand route. Plaisir et en plus il y a un petit marché à Montélimar tout chez Jordan il y aura une dégustation chez Jordan bah, le petit aura 6 mois hein, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Il marche à cet âge-là, il peut parler. Tu pourras faire connaissance avec le petit de Jordan, toi, Eric, qui d'ailleurs, tu as beaucoup de soutien dans le chat en disant que faut être fort. Faut être fort pour. Sept ans de psychanalyse. Tu sais qu'ils livrent hein, les pharmacies, les. Je croyais que tu allais dire les enfants, j'ai eu peur. Non, les Xanax. Ah, pas con. Xanax, hein. Autant ils n'ont pas de masque, bah, écoute, mais ils ont du Xanax. C'est ouais. tout aussi important. Du coup, donc, est-ce que malgré toutes vos activités, vous avez le temps? Donc, Eric, tu dis que tu joues aux jeux vidéo. donc, tu as uniquement Rocket League et Call of Duty pour t'occuper? Non, c'est pas uniquement, mais en vrai, je suis complètement accro à Warzone. Alors, il ne faut pas dire accro, c'est pas bien. On a dit, c'est pas bien. Non, mais j'aime beaucoup. En fait, c'est dingue, mais quand tu fais ton top 1, t'es tellement heureux avec tes potes, mais t'as vraiment ce truc de waouh, tu cries, ce qui est débile, mais t'as vraiment un sentiment d'accomplissement parce que t'as une stratégie, t'as réussi à évoluer et tu t'es tellement pris de déroute avant, t'as tellement perdu, recommencé au goulag, recommencé.
Donc t'es vraiment content. Et je te jure qu'après t'es là, t'es avec tes potes, tu regardes la vidéo encore, tu te l'envoies par WhatsApp, t'es en mode ah, c'est peut-être une dépression en fait. Ouais. Peut-être. Non mais. Ouais, peut-être, ouais, ouais, effectivement. Ça vous en. Ouais, je vais appeler ma mère, j'en ai. Bon, Quentin, les jeux vidéo, c'est pas trop ton, ton domaine. Il fut un temps, si. Bon, il cassait les dis la vérité. Trop d'énervement. Voilà. Trop d'énervement. Donc voilà. Donc j'ai arrêté. Tu joues à quoi? Quentin. De quoi? Touquet, Touquet, putain. Tu sais, quand t'aimes trop un sport, t'as envie de tout maîtriser, mais sauf que t'y arrives pas, quoi. Donc tu casses. En rappel, hein, BFM se trompe, le jeu vidéo ne rend pas violent. Ce n'est pas du tout. Non, pas du tout. Non, là, c'est moi. Il est violent avec une manette. Hein, non, il rend dépressif. Exactement. Et stérile. Et agressif. Il y a une équipe. Ah, tu sais que Touquet, j'ai essayé de m'y remettre aujourd'hui. Le vin, là, c'est quand même très, très dur. Hein. Ah ouais? Ah ouais, j'en ai marre. J'avais que des mauvaises notes. Le NBA 2K, c'est le seul jeu où j'ai jamais réussi, le jeu de sport que j'ai jamais réussi. C'est dommage parce que c'est hyper immersif. Je trouve qu'il est bien, il est très bien foutu. En vrai, il est hyper complet, mais c'est dur. J'ai essayé un peu des tutos et tout, mais il faut de la patience. Il y a une question de Dia25 qui fait vraie question sérieuse. Il pose les bases, hein, tu vois, il est là, faut pas déconner. La géopolitique. Il est ranké comment, Eric, à Rocket League? Ah putain, eh ben c'est une bonne question. Je sais pas, on fait que des 4 contre 4, donc il y a pas de. Si, on fait des tournois en 4-4, mais j'ai pas regardé. Je suis pas le meilleur deuxième, de l'équipe. Deuxième, je crois, vous êtes deuxième, je crois. Je suis le plus mauvais de l'équipe, mais j'aime bien. Je trouve ça rigolo en équipe. J'aime beaucoup les sports, les jeux d'équipe et les sports d'équipe. C'est bien, c'est bien. Toi, Jordan, tu joues à quoi comme jeu? Oula, en ce moment, il y a Warzone qui m'énerve, mais que je joue. Et j'ai une grande passion pour les jeux de survie. Et en ce moment, je suis sur Ark Survival. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est quoi? C'est un jeu de survie avec des dinosaures sur une map. Tu tombes à poil sur une map. C'est pas délire de monter les barres. N'étant pas de terre. C'est quoi le nom? Non, sans rire, c'est quoi le nom du jeu? Ark Survival Evolved. Et en fait, c'est Caillou Simulator, en fait. T'as une pioche et tu tapes des cailloux. T'as une hache, tu tapes des arbres et t'es content. Sur quelle plateforme? Sur PS4. Pas mal, ça. Non, par contre, il est vraiment génial, il est vraiment complet. Quand tu vas loin dans le jeu, vraiment, il est incroyablement diversifié. En vrai, je l'ai noté, il est sur le PS Store. Ouais, bien sûr. Et c'est un super jeu. En tout cas, c'est les jeux qui vraiment me font jouer longtemps. Donc, longtemps, c'est et que j'adore. Longtemps. Ah, mais c'est. Ça dépend. Tu vois, là, on est confiné le week-end, je peux jouer. 6-7 heures, facile, hein. Franchement. Franchement. Après, le temps de faire un pâté en croûte. Hein. Non, mais voilà, c'est con quand même. Tu te calmes, moi j'ai mon petit coin. Et... Non, mais voilà, ma femme regarde sa petite série, tout ça, moi je me calme, on discute, quand. Ah, mais ça permet de discuter. Et puis voilà, on décompresse, ouais, carrément, ça fait pas si longtemps. T'es en train de nous dire que pendant 7 heures, vous occupez pas de l'enfant. Il y a la dame qui regarde la vidéo. Ah. Ils arrivent demain, ils embarquent. Ils l'oublient complètement. Parce qu'il faut s'occuper de ça. Ah voilà, c'est ça. Les pleurs. Ah merde. Ah merde. Donc heureusement, sur Twitch, il n'y a pas le CSA, il n'y a pas la DAS. On peut tout annoncer. Serait dans la et merde, du coup, donc pour Warzone, parce que moi, je t'avais dit, Eric, je devais y mettre, j'ai pas eu le temps de m'y mettre, mais si vous êtes une équipe et que ça fait comme dans Rocket League, parce que dans Rocket League, apparemment, t'es un peu le boulet de la bande, mais si dans Warzone, t'as un membre de l'équipe, c'est un boulet, ça vous fait perdre. Non, parce que... Apparemment, t'es un peu la merde de la bande, bon. Alors, pour le coup, j'ai le plus de victoires en top 1 de la bande. Non, mais parce que ce que j'aime beaucoup dans le truc de Warzone, c'est que c'est une vraie stratégie. Et qu'il faut être tactique. Les gars qui foncent. T'as énervé Quentin, il est parti. Ça va, Quentin? C'est pas grave. Hein, bon.
Je vais meubler. Non, mais dans Warzone, ce qui est intéressant, c'est que c'est, pour moi, c'est un truc de... Pour le coup, c'est un jeu de survie. C'est pas, le but, c'est pas de tuer le plus de mecs. Tu peux faire... J'ai vu des mecs qui ont... tu sais, tu vois les scores de tes amis et tout. J'en ai un qui a plus de 1000 kills, mais il a, je crois, il a même pas 4 top 1. Donc, tu peux tuer énormément de monde, ça sert à rien, en fait. Le but, c'est de survivre jusqu'à la fin. C'est un jeu de cache-cache, quoi. Tu arrives, tu caches et tu attends que tout le monde meurt. En vrai, il vaut mieux, mais tu vois, tu as du snipe. En fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de stratégies différentes et en vrai, je m'éclate vraiment. Tiens, voilà, Quentin. Prendre la drogue. Là, je vous le dis, les écouteurs, ils se droguent énormément, j'ai un vrai problème avec ça. Je sais pas comment gérer. Ouais, c'est une addiction pour lui. Pour le coup, on parlait de jeux vidéo qui n'est pas une addiction, mais la drogue, oui. Et bah, là, il vient de prendre sa trace. Voilà, c'est là, par 40, contre, il arrive, il est hyper euros. Actif. Ça va, Quentin ? Bon, ouais, le pâté en croûte est... Et non, mais oui, c'est pâté. Non, non. Et oui. Quentin ? Ouais, bon, ça reste entre nous. Hein. Ça reste entre nous. Attends, il n'y a pas de CS. Je suis... Ah, je vais faire le plein. Très 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 important. c'est du jus de pomme, bien sûr. Nous on te voit, oui, pas, regarde. Chris. Ah oui, oui, je bois du vin moi aussi. Non, pas regarde, connard. Mmh. On te voit pas. Ouais. Attendez, je vais faire une bip. Le mec est au calbar chez lui. Moi, je peux ouais. Venir, voilà. Chris l'exibo. Du coup, ah oui, ça y est. Je bois avec vous. Du coup, il y a Jeff qui nous fait. Tu as du pâté sous le nez, Quentin. Fais attention. Apparemment. Non, c'est mon visage. Pardon. Bah bon courage, ouais. Chris, pour reprendre après ça. Allez. Là, je sais pas comment tu vas faire. Je sais plus où on en est, première ou deuxième. Non, dix-septième partie là. Bon, on en est à la deuxième partie, Chris. C'est toujours le qu'est-ce qu'on fait. Du coup, je crois que c'est l'une des émissions où on a parlé le plus de choses pour s'occuper entre le jeu, les pâtés en croûte, la corde à sauter et tout ça. Mais est-ce que le sexe, pour ceux qui peuvent et qui ne sont pas seuls. Je démarre de le... Et voilà. Merci Chris. Voilà, bravo Chris. Voilà. Je sais pas si tu as vu, mais il y a un célèbre site pour adultes qui a offert un abonnement premium pour tout le monde en France. Donc même si tu es seul, tu peux quand même te consoler comme. Ah, non, mais je suis impuissant, donc c'est ça. T'as pas de chance quand même. Le chat sans tabou. Ah non, mais je suis stérile et impuissant. Du coup, dans le chat, j'aimerais que dans le chat, on fasse voilà. Un petit soutien pour Eric. Donc, envoyez tout son... tout vos... Envoyez vos dons. Pas vos dons, mais envoyez votre soutien à Eric, parce que c'est pas facile, mine de rien. Imagine, le mec qui avoue tout comme ça en direct à chaque fois. Il se rend plus compte de rien, il balance. C'est l'effet. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ah, mais la personne est enterrée, elle est morte, là. À côté de moi. Du coup, est-ce que... Ah, et d'ailleurs, à la fin du chat, on vous révélera où est Xavier Dupont de Ligonnès. Hein. Oui. Il faut attendre là. Putain. Non, mais c'est une vraie info. On sait. Ça fait 3 ans qu'on sait. Merci de la fin de l'émission, ça va faire un cliffhanger incroyable, ça va passer sur les JT. Du coup, c'est vrai que je sais même où j'en suis là depuis tout à l'heure, j'ai complètement perdu, j'avais prévu des trucs. Tu parles d'écrire et de lire, et Eric, tu lis quoi ? Voilà, je suis en train de lire ça. Fou, donc on voit pas. Bah, je lisais Mithridate de Racine. Et bon, j'ai plein de... En fait, je picore, je reprends plein de trucs aussi, de livres que j'avais déjà lus, mais que j'avais annotés, et je relis les annotations, parce que, en fait, ça me rappelle plein de bons... J'allais dire de bons moments, c'est hyper bien. Le lapsus. Non, en vrai, ça me fait plaisir de retrouver plein de citations que j'ai aimées, et d'essayer de comprendre pourquoi je les ai aimées à cette époque-là. Voilà, bah, oui, bah, on s'occupe, il n'y a pas que Warzone dans la vie. Ça va, on n'est pas obligé de oui, c'est sûr, mais non, mais c'est très bien de lire parce que. Non, mais sincèrement, je suis hyper heureux de relire cette. Le mec essaie de se convaincre. Non, mais je suis vraiment heureux, ne croyez pas. Intéressant, mais dit comme ça, oui, ça passe pas pour intéressant, mais en soi, c'est hyper intéressant. Et ça parle de quoi ? Rien découvrir. De la littérature, de plein de choses. Regardez, par exemple, j'ai Connaissez-vous Paris de Raymond Queneau.
que vous le lisez. Super, là, je peux vous faire plein de questions. Hein. Par exemple, d'où vient le nom de l'impasse Satan dans le 20e? Nous, on est de Montélimar, nous, on ne connaît pas. Satan Eh bien, c'est en raison de ce voisinage que l'on donna le nom d'impasse Satan à une impasse de la rue des Vignoles. C'est génial, non? Allez, j'ai un cours à faire. Ouais. Non, ça, mais c'est ça, bien, ça. C'est incroyable, franchement. Non, mais en gros, je réexplore ma bibliothèque parce qu'il y a plein de trucs que je relis. Et en vrai, c'est la meilleure occasion pour le faire. Tu es quand même écrivain, si tu as sorti des romans, pas des livres. Eh oui, j'écris. Il faut écrire quand tu as l'inspiration et que tu peux graver quelques mots sur une feuille. Bon, si je peux donner un peu de plaisir aux gens. C'est tellement pour, on dirait le philosophe merde putain c'est lequel bah le Hérate si c'est un philosophe comme ça. Putain, j'ai en tête tu sais quand tu refais quand vous santé Jordan oui Jordan oh, il est en profite lui il est tranquille Jordan il dit rien il s'y rend depuis tout à l'heure. Ah, il y a le cubi. Lui, il s'en vient pas, il y a le cubi directement à côté. Jordan, il y va. Mais il a bien raison, c'est pour ça l'apéro. Non, chérie, ça va. J'ai un chat, j'avais parlé avec des amis. Après, je joue en jeu vidéo. Il se déglingue la gueule, en fait. Bah écoute, c'est ce que t'as fait, c'est ce que t'as fait il y a un mois. Oui. Ceci dit, J'ai bu 2,5 verres, hein. Ça va. Ah ouais. Termine le troisième, donc. Bah, c'est bon. 3 verres, de toute façon, on est en confinement, on a pas besoin, voilà. On a pas besoin de ça. 3, allez, 3. Toi, Quentin. Bon, faites gaffe quand même à pas trop boire les confinements, voilà. C'était mon petit message. C'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le dit forcément. Toi, Quentin, en confinement, est-ce que tu, mis à part les patins de croûte, est-ce que tu as d'autres occupations, des séries, des films, des livres, des romans? Alors, figure-toi, ou figurez-vous, que je me suis dit, c'est un truc de dépression aussi, je me suis dit, je vais me faire une liste avec tout ce que j'ai lu, regardé, vu depuis le début du confinement. Ah, donc, c'est pas mal, ça. Bah ouais, donc j'ai vu pas mal de films, pas mal de lu. Je suis à 2 bouquins là, ce qui est pas mal. Je suis est-ce que tu donnes des notes à ce que tu as vu ou lu ou pas? Non, ce que j'ai pas retenu, je le mets pas dans ma liste. D'accord. Donc j'ai un film en fait. C'est le mec, il se fait ses classements. Non, mais il y a le truc dont on a parlé avec Quentin, mais c'est la série de Jordan par exemple. Ouais, le The Last Dance. Ça, c'est exceptionnel. Quentin est fan pardon, de basket. Moi, je connais beaucoup moins bien la NBA et tout, mais rien que ça donne envie. C'est sur la dernière saison de Jordan chez les Bulls. Ils ont réussi à mettre les caméras à l'époque. Et il y a plein d'images qu'on n'avait jamais vues. C'est assez intéressant. Puis ça t'apprend le fonctionnement d'une équipe NBA. Tu vois de l'intérieur. Sur ça, c'est trop bien. Les documentaires Netflix sont très, très bons. Dieu. Il y a Dieu qui me parle. C'est vrai qu'il y a un mec qui a un projecteur devant toi. Non, c'est Dieu. Excusez-moi, il y a Dieu qui vient d'arriver. Tu vois, de oui, ah, il est en train de partir. Ouais, il m'embrouille. Le mec m'a embrouillé. Dieu m'a embrouillé, il se barre. Génial. Ah, il est fort, ce meilleur phase. Il est fort. Tu es aveugle, en vrai. Tu vois, on parlait de Michael Jordan, bah voilà. Il y a Dieu qui est arrivé, mais c'est vrai que je disais, avant que Dieu fasse son intervention, les documentaires Netflix sont vraiment bons parce que je sais pas si vous avez vu les documentaires sur la Formule 1 qui pareil sont assez incroyables parce que même pour ceux qui ne suivent pas la Formule 1 en fait c'est tellement bien tourné que ça donne vraiment envie et c'est vrai que The Last Dance je l'ai pas encore vu mais ça j'ai vu le trailer en tout cas et ça donne complètement mais qu'est-ce qu'il fait ça part en couille hein. pardon. Il montre on est un stylo pour noter c'est un peu bizarre comme ça. Formule 1 à faire. Non mais The Last Dance, mine de rien, moi je connais pas très bien le basket et c'est ça qui m'a donné envie de faire 2K là. Mais franchement. Vas-y, prends des notes. Et d'ailleurs, Eric, ça te plaira, je suis en train de lire Mythologie en ce moment de Roland Barthes. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est très bien. Et tu sais, le manga Slam Dunk. Ouais. Je parle à chaque fois. Et en regardant le documentaire de The Last Dance, je comprends à quel point il s'est inspiré. Ah oui, d'accord. Des Bulls, rien que le maillot,
Et en fait, tu vois qu'un des personnages, c'est Dennis Rodman. En fait. Ouais, d'accord. Et tu vous reconnais, et c'est hyper bien fait. Pardon, excusez-nous. Non, mais désolé, on est. Désolé, c'est un apéro. Mythologie. Et tu sais que Jérôme Garcin, on a refait un récent, d'ailleurs, de. Ah ouais. Le truc, ouais, c'est assez. Mais bon, celui de Barre, de Roland Barthes reste inégalé, évidemment. Super. Allez, on sort de la dépression. On est toujours dans la troisième partie. Jordan, à toi. Oui, en plus, c'était à toi. Toi, autre les jeux, est-ce que tu te mates des films, des séries? Est-ce que tu lis des bouquins pour t'occuper de ce confinement? Très peu. Ouais, très peu. Ouais, c'est ça. C'est que entre, quand je rentre, très peu. Très peu. Moi, je regarde une série que je regarde vraiment. Ouais, la regarder 100 fois, 1000 fois, c'est The Big Bang Theory que j'adore. Et après, j'ai pas vraiment le temps de regarder un peu les séries sur Netflix et tout ça. On voit ceux qui travaillent et les autres. Quoi. Ouais, merci de me faire confiance. En plus, ça, tu sauves des vies, toi. C'est... Monsieur, je sauve des vies. Je sauve pas des vies, moi. Je donne du médicament. Dans le chat, ils sont là, ils sont aussi un peu à écouter nos conneries. Mais il y a Koba qui nous fait je vous conseille le documentaire sur l'affaire Rodney King et les émeutes de Los Angeles de 1992 sur Netflix, apparemment, qui est top. Je savais. Ça je veux bien, tiens. Comment il a le nom? C'est bien de nous teaser, mais il nous faut le nom. Il faut que tu nous sortes le nom de ce documentaire. Ouais. Koba, s'il te plaît. Enfin bon, source un peu. Il y a -97450 qui fait la vie de famille. C'est quoi ça, la vie de famille? Est-ce que c'est ils sont en train de faire des énigmes dans le chat? Ils balancent des trucs comme ça et on doit savoir un peu de quoi il s'agit. Ça, c'est des complotistes. Fais attention, Chris. Ça, c'est des complotistes. La terre est plate. Oh, mon Dieu. Comment tu sais, toi? Le mec, je le sais. Ouais, donc là, c'est pire, parce que tu vois, il y a Wick Carabian qui nous répond en disant « Oui, Koba, très bon documentaire. » Donc, il confirme, il ne donne toujours pas le nom. C'est quel documentaire? Ma mère, je cherchais un stylo. J'ai noté Doc Netflix Rodney King. Je pense que ça, ce sera le mieux. Écoute, je trouverai. Hein. Merci. Rodney King, ok, je note. Mais Quentin a déjà de l'avance sur moi, mais j'ai commencé le Tiger King. Ah ouais, ça c'est dingue. Ouais, j'ai fait l'épisode 3, j'ai terminé l'épisode 3 hier, je crois. Dingue. Alors, et inquiétant. Si vous voyez ce que c'est comme documentaire, humaine. Ça part bien sur l'élevage de... Vas-y. Excuse-moi, Chris. Arrête, s'il te plaît, tu nous laisses parler, d'accord? Ce n'est plus ton chat. Voilà. Il n'y a pas de souci. Le documentaire est assez intéressant, c'est sur les propriétaires de tigres aux États-Unis, enfin de félins, et les fermes un peu à félins là-bas. Et en fait, au début, on te présente ça comme des gens un peu gentils, mais un peu foufous. Et plus tu avances dans le documentaire, plus tu te rends compte qu'ils sont vraiment fous. Et c'est là où ça te commence à dégénérer complètement. Et comme dit Quentin, sociologiquement, sur l'être humain, c'est hyper intéressant. Il est très bien fait, tu t'es pris, il y a une forme d'intrigue en plus. Pas mal. Ouais, non, il est cool là. D'accord. Bah, écoutez, cool, apparemment, le chat est d'accord. T'as pas mis la manière pour nous convaincre, tu vois. En tout cas, dans le chat, il y a Jeff qui nous fait oui, ça c'est génial. Donc, apparemment, ils sont d'accord. Et on a le titre. Merci. On a le titre, Jeff. Grâce à Koba, qui fait c'est Ailey 92, les émeutes. Voici le titre en fait, c'est juste ça. Bon, bah écoute, ils sont pas foulés pour le titre. En tout cas, c'est très bien. Et Ailey 89, pardon, il 92. A dit 92. Ailey 92, les émeutes. Ah, j'aurais pu chercher longtemps. Et il y a Barz 13 qui nous dit, les gars, si vous n'avez pas vu le documentaire sur le Fire Festival sur Netflix, allez-y, vous allez halluciner une grosse arnaque créée par un gros mytho. Le festival génial. Raté, là, c'est génial. Ça. Bah, tu peux lire son speech, Chris. Parce que c'est un bon pitch et le truc est pas donc, mal. Tu veux que... Oui, bah, là, maintenant, tu veux que je le fasse maintenant? Ok, alors j'exige. Écoute, C'est maintenant ou jamais. Hein. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Le Fire, c'est sur un festival qui n'a pas eu lieu, je crois, non? Non, sur une île. Il devait avoir lieu, mais tout a capoté. Quoi. C'est un peu un Lost in La Mancha, mais vers son festival. Quoi. C'est les mecs qui ont organisé un festival sur une île, je ne sais plus. Alors attendez. Où? En mode, tu payais hyper cher pour y aller.
et c'est une catastrophe. Et c'est un vrai documentaire. Ils promettaient un line-up de dingue avec les plus gros stars et tout. Et les gens sont arrivés là-bas, il y avait des tentes à moitié montées, sans matelas, ils ne pouvaient pas dormir. Un bordel, mais plus de... Ils avaient payé une fortune et le documentaire est hyper... Attendez, en vrai, c'est drôle. Là, je suis sur le documentaire et j'essaie de voir... mais sur la version PC, t'as pas le speech, c'est un peu galère. Et je l'ai pas, j'arrive pas à la trouver. Aïe, aïe, là, il y a le documentaire qui se lance. On va, vous voulez qu'on regarde le documentaire pendant l'apéro ? De nous embrouiller, Christophe. Non mais en tout cas ouais, ça a l'air intéressant. J'irai... Ça va durer longtemps quoi. Bah, le temps de faire une tourte encore. Vous voulez qu'on regarde les trois Star Wars pendant l'apéro, ça vous dit? Tiens, bah parlons-en Quentin. On peut se mettre au pâté sinon. Ah, vous voulez pas... Parlons-en de Star Wars, le dernier. Est-ce qu'on peut demander aux gens qui sont sur le chat s'ils ont vu Mandalorian et si ça leur a plu ou pas du tout? Non, je l'ai pas vu. Je voulais parce avoir que des le recos. Dernier Star Wars, je l'ai regardé là pendant le confinement, j'ai loué. Moi, je vous dis, je trouve ça affreux. Ce qu'ils ont fait, c'est affreux. Alors, attends, c'est dur, si on part sur Star Wars, ça peut aller très loin. Tu l'as vu le dernier ou pas, Quentin? Ouais, j'ai vu. Jordan, t'es fan de Star Wars? Ils font la... Cucu la praline, c'est fan de Star... Ils reprennent la même intrigue. Excuse-moi, Jordan, mais là, ça m'est dit. Ils refont la même intrigue et ils refont la même chose à chaque fois. Ouais. Oh, bah, on ne va pas y arriver. Oh, il n'y a pas d'espoir. Oh, ça y est, ça marche. Il n'y a rien, Yas. Je suis un grand fan, je suis très, très déçu. Pour Mandalorian, je peux juste vous dire, donc, dites-nous dans le chat si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu très bon, franchement. Franchement, c'est excellent. Excellent. Donc, on est vraiment complètement à part de la saga Skywalker, c'est-à-dire que tu vois pas de sabre, tu vois pas de sabre laser, tu vois rien. C'est vraiment une histoire complètement inédite avec justement un Mandalorian qui est un chasseur de primes. Et franchement, la série se déguste vraiment bien. Il y a des bons plans, il y a des bonnes scènes, il y a des bonnes scènes bien épiques. Franchement, je la conseille. Elle est vraiment top. Surtout que là maintenant, je crois que ça y est, elle est complète. Sur Disney Plus. D'accord. Ouais. Parce que... Et il paraît que ça renoue un peu avec les premiers Star Wars. Enfin, les premiers, vous voyez ce que je veux dire. Mais avec l'épisode 4, 5, 6, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ça se passe 5 ans après le Retour du Jedi. D'accord. Ah, c'est tellement mauvais le dernier, là. Mais vraiment, j'étais gêné pour eux. Si tu dis. Et en plus, tu vois, moi, par exemple, toi, Eric, t'étais fan d'Avengers. Moi, j'y suis venu plus tard. Et là, avec les Avengers, mais Star Wars, ça a pris une telle claque. En fait, Avengers, ils ont créé une cohérence. Ouais, c'est ça. C'est génial. Tu regardes le film. C'est bien. Enfin. T'imagines, ils terminent la trilogie, entre guillemets, des Avengers. C'est hyper, tout est ultra cohérent. Là, Star Wars, ils refont, j'ai l'impression, la même chose. Ouais. On est foutu. Il faut voyager à tel endroit. Et voilà, on va voyager à tel endroit. On va trouver une solution. Oh, mais et au dernier moment, tout va bien. Merci, Disney. Merci. Excusez-moi, Disney. Mais là je suis. On voit que tu es colère et il faut que tu fasses. Et Disney Plus, tu peux demander, mais qui pose que des questions. Code. Je lance un nouveau débat. Est-ce que Disney Plus c'est bien ou pas? Alors, qui est abonné, qui s'est abonné? Bah écoute, si vous trouvez que c'est bien? Moi je suis abonné. Je trouve que c'est bien, franchement. Alors j'ai pas eu le temps de trop regarder, mais il y a pas mal de documentaires aussi qui sont pas mal. Puis surtout t'as des t'as des documentaires qui sont et des séries énormes, genre t'as ceux qui aiment les Simpsons, t'as tous les Simpsons, t'as l'intégrale des Simpsons dessus, t'as des documentaires sur les parcs Disney, t'as des documentaires sur plein de choses qui sont vraiment pas mal, des séries, notamment Mandalorian, on disait, qui pour moi vraiment, si t'es fan de Star Wars, t'es obligé de kiffer, parce que vraiment c'est... Mais t'étais pas censé l'avoir avec Canal? Si, à ceux la qui base, ont Canal, enfin ça dépend le forfait que t'as, mais certains utilisateurs de Canal peuvent l'avoir sans s'abonner en fait. Parce qu'ils ont fait un partenariat avec Canal. Alors si vous êtes sur le chat de Chris, si vous avez des codes Disney+, si vous avez des codes, balancez des codes pour nos amis. Promis, on les utilise juste comme ça. Hein. Ouais. Mais du coup, alors, attendez, parce que là, du coup, dans le chat, c'est là qui parle. Donc, il y a Fonctionnaire qui nous fait Disney+, ça m'attire bien, mais à voir, j'hésite encore. Il y a Alex Jack TV qui nous fait c'est bien, l'interface est bien plus est bien, mais après avoir, tu connais 80% du contenu vu le nombre de classiques. Ah, c'est ça, le truc. Il y a Wawa33800 qui nous fait la série Jeff Goldblum et Déchire. Donc, Jeff Goldblum, c'est l'acteur dans Jurassic Park. Jurassic Park, la théorie du chaos. Il y a Bars13 qui dit: je voulais dire à Eric et Quentin que j'aime beaucoup leur émission à la radio sur le rap. Je suis pas un néophyte. Merci voilà, Bars. Il dit que merci, ce n'est pas... ça fait plaisir. C'est beaucoup de travail. On n'arrive pas à te prendre au sérieux quand tu parles, Eric. C'est...
Non, c'est vrai, c'est du boulot. C'est du boulot. On essaye de rendre le truc le plus agréable possible pour l'auditeur qui ne connaît pas le rap comme celui qui le connaît. Parce qu'on veut aussi montrer aux gens qui n'aiment pas le rap que c'est une culture qui est hyper intéressante. Voilà, c'était l'instant sérieux. On a Rimka Bars samedi. Voilà, et, ça t'intéresse. Et il continue 113. En disant que ce n'est pas un néophyte, mais je trouve que leur émission est une bonne porte d'entrée et ils ont reçu Attic avant la série, donc c'est validé. Ouais. Ouais, on l'a reçu il y a quelques mois, ouais, effectivement. On l'a reçu au mois d'octobre, donc, me semble-t-il. Ça, ouais. Très bon gars. Ça montre que votre émission est suivie, elle est appréciée. Il y a GIF qui nous fait, vous avez 7 jours gratuits sur Disney+. Donc, si c'est juste pour voir Mandalorian, il y a moyen de pouvoir le voir en une semaine. Parce qu'après, c'est rapide. Hein. C'est des épisodes de une demi-heure et il y en a 8. Donc, Vas-y, ça me chauffe. Ok, bon, bah j'y vais. Salut à tous. Merci. En vrai, je le note. Si vous êtes fan de Star Wars, c'est un peu comme l'univers. C'est un univers étendu, donc ça n'a rien à voir avec la série Skywalker. Et vraiment, elle est vraiment cool. Hein. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Je l'avais vu, moi, à l'époque, quand elle était sortie aux États-Unis, en anglais. Ah, pardon, monsieur, je me la pète. Pardon. Excuse-nous. C'est dingue. Le mec. En période de confinement, il parle de ses voyages aux États-Unis. Enfin, excuse-moi, c'est indécent. C'est indécent. Redescends un peu, d'accord. Ce n'était pas pour vraiment là. Ah, il m'a saoulé. Ouais. Ma mère. Et les hôtels à Las Vegas. Allez. Bon, qui y avait dans le Qui y avait à l'hôtel? Oui. Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Chris. C'était au moins à l'égal de Montélimar chez Jordan. Au minimum. Ouais, c'est dur d'égaler. Donc, c'est chaud. Toi, Jordan, Star Wars, je sais même plus si je t'ai posé la question. Je sais même plus où j'en suis, moi. Star Wars, tu aimes, t'as vu le dernier Star Wars 9, tu l'as trouvé bien, tu. Alors, le dernier, non, je l'ai pas vu. J'ai peur de le voir. Ah ouais, bah, t'as raison. Hein. Mais franchement, tu gagneras du temps dans ta vie. C'est vrai? Bon, bah écoute, voilà, donc je ne le verrai pas. Fais un pâté en croûte. Je me ferai un avis, faut que je le regarde, mais ouais, j'adore Star Wars. Et du coup, Mandalorian. C'est génial, ouais, non, mais c'est con, génial. Hein. En vrai, c'est trop con comme ils ont. Enfin, je sais pas comment. Ouais, pourtant, ils avaient réussi Rogue One et tout, c'était super. Rogue One est génial. La fin de Rogue One, elle est. Enfin, tu vois, pour moi, c'est génial. C'est là. Ouais, c'était trop bien. Enfin, mais c'était J.J. Abrams, hein, je crois. Rogue One. Comment ils ont fait un truc? J.J. Abrams. Non, c'est pas J.J. Abrams, Rogue One. Après, il y a Ryan Johnson qui a fait le 8 et Rogue One, je ne sais plus qui c'est. Est-ce que vous avez vu Solo? Non. Ouais. Solo, ouais. Ça, enfin, je ne l'ai pas vu, mais ça ne m'attire pas en fait. Un film Han Solo sans Han Solo. Non, moi non plus. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Non, mais en vrai, le problème, je pense, c'est qu'ils s'accrochent tellement au passé pour faire plaisir à des fans parce qu'ils espèrent. Après, je pense que c'est une stratégie marketing, ce qui est viable ou normal. Mais c'est dommage. En fait, ils auraient dû recréer et s'approprier le truc, l'univers. Ils auraient dû le faire à leur manière. Et le problème, c'est qu'ils essayent toujours de faire de la fanbase, j'ai l'impression. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti dans Solo, dans le dernier encore. C'est plein de petites allusions. C'est justement ça qui est cool dans Mandalorian. Vous verrez, on sait qu'on est dans l'univers Star Wars. L'univers est respecté, mais... Ouais, voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment bon. Donc, bientôt la saison 2 de The Witcher. Je suis chaud. Ouais, The Witcher, ça vous parle? J'ai pas testé moi. Alors, je trouve que la saison 1 a bien terminé, mais c'était quand même très compliqué au début. Hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était. Ouais. Et franchement, je me suis fait. À la fin, je dis ok. Mais tu dis. C'était compliqué au début parce que tu devines que la sorcière est comme ça. Enfin, il y a plein de trucs où. Mais bon. J'ai eu du mal à m'y retrouver aussi. Hein, t'es au d'accord début, hein. Ouais, j'ai eu du mal. Tu dis, c'est chelou. En plus, la temporalité, tu dis, essayer de faire un truc. Mais la fin m'a chopé. Bon. Après, elle est terrible. Hein. Moi, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré. La série, tu veux dire? Ah ouais, la série. Ouais, j'ai adoré. La fin de la série, j'ai bien aimé. Le début, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais, j'ai eu du mal, mais bon, c'est il y a des actions un peu hippies. Puis l'acteur est vraiment bon. C'était cool. Faut que il tient bien. Ouais. Non, bon. Ouais, bon. Il est beau. Ouais, c'est vrai. Bah, il est beau aussi. Non, mais quel est le problème? Oui, mais très bien. Peut être bon et être beau. C'est très bien, je suis d'accord avec toi. Moi, je le trouve bon. Après, s'il est beau, je ne suis pas. Non, mais il y a des trucs d'intrigue dès le début que j'ai trouvé un peu relou, quoi. Le mec avait du mal avec un pauvre magicien, alors qu'après, il fait des choses incroyables avec d'autres. Poser un peu. Mais... poser le... Oui, oui. Donc,
19e partie de. On arrive, ça fait déjà. Non, mais. Ça fait déjà est pas mal. Qu'on est en live, effectivement, on va passer bientôt à la troisième. Ça passe vite. Hein. Troisième partie. Mais là, du coup, je regarde un peu les commentaires. Il y a moi97450 qui fait Chris, j'aurais bien aimé que l'acteur garde la VF de Harrison Ford dans les Star Wars. Ça aurait été plus cohérent. Ah! Pas con, ouais, mais ça se fait plus, hein. Ça se fait plus du tout, ça. Non, mais c'est vrai, après, ça se fait plus, t'as raison. C'est rien que pour Solo, déjà, moi je suis perturbé pour une voix, mais un physique c'est pareil. Ils ont fait un peu de l'image de synthèse pour la princesse Leia dans Star Wars 9 et dans Star Wars Rogue One. Ce moment-là, moi j'ai eu des frissons, frissons de honte. Hein, Mais ils ont continué hein, sur le. Ouais, ah, putain, le dernier, tu dis. Tout est. C'est ça qui m'a fait lâcher, en fait. C'est nunu, bah, en fait, c'est qui croit pas. Je pense que. Un moment, raconter l'intrigue. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'à un moment, si elle sait que Machine. Je vais pas dire pour pas spoiler ceux qui n'ont pas eu. Si elle sait que Machine, c'est Machine, dis-le. Arrête de faire des mystères pendant 3 heures de. Tu verras quand tu sauras, pourquoi tu sauras que tu sauras. Arrête non. Dis-le. Non, mais c'est vrai, sincèrement. Et vous avez vu d'ailleurs que... Non, mais c'est vrai, ça m'a énervé. Allez, dites-le maintenant. Non, mais t'as vu Mark Hamill, oui. Ce qu'il a avoué là, sur, oui. Je crois, sur Twitter. C'est intéressant. Et il y a un fan qui lui a posé une colle, Quentin, et qui lui a dit, en gros, comment ça se fait que R2-D2, qui était là depuis le départ, n'ait pas révélé que Dark Vador était le père de Luke à Luke. Et à Mark Hamill, c'est assez drôle. Il a répondu par, je crois, un gif en mode. Le pire, c'est que la question a été posée par une gamine. Parce qu'en fait, c'est un internaute qui dit il a mentionné Mark Hamill et dit il y a ma petite fille de 8 ans que je lui ai montré Star Wars. Et en fait, elle me dit mais R2-D2 qui est là depuis le début, il n'a jamais été rebooté, donc il a toute sa mémoire. Et pourquoi, en fait, dès le départ, et personne n'a pu répondre. C'est vrai que c'est une incohérence assez drôle. Mais moi, le truc qui me dérange avec la dernière trilogie... Il y a une roue avant. Écoute, elle avait qu'à les écrire, les Star Wars. T'as entendu, J'ai pas entendu, c'est passé quoi? Ouais, il y a des petits jeunes qui font des freins à main. Il y a les Hells Angels qui sont de retour à Montélimar. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils sont énervés, les Montéliens. C'est le surplus de nougat, là, qui nous... Ah, puis nous, les Montéliens, on se déplace en meute. Mais ce qui m'a dérangé avec la nouvelle trilogie, en fait, c'est que c'est entre le 6 et le 7, il se passe plein de choses, puisqu'il y a le nouvel empire qui se monte, mais tu ne sais pas comment, en fait. Tu quittes le 6 où ils sont contents, ils font la fête dans la forêt avec les Ewoks, tout est terminé, et tu arrives dans le 7 où il y a déjà une nouvelle armée qui est en place, et en fait, ils n'expliquent pas. Et moi, c'est ça qui, à mon sens... Moi, j'ai le sentiment qu'ils reproduisent la vraie trilogie. En fait, ils font que ça, reproduire la même chose. C'est la même histoire. Et je pense qu'ils sont coincés entre effectivement les fans historiques et les nouveaux, tu vois, qui veulent des trucs, des scénarios un peu plus poussés quand même, tu vois. Je pense qu'ils ont ce dilemme-là. Ah, mais t'as raison. Avengers n'a pas eu ce problème-là. Ouais. L'univers Marvel, parce qu'ils ont créé. Mais là, t'as raison. Intéressant de voir, c'est la prochaine trilogie qui devrait arriver. Ouais. Il y en a pas une autre à partir de 2022, mais là par contre c'est complètement différent. Ils arrêtent le Skywalker et ils vont faire un peu comme du Mandalorian, sauf que là ce sera en film. Ils vont exploiter un univers étendu de Star Wars, mais ça n'aura rien à voir avec les Skywalker. Et les premières rumeurs, en fait, ça partirait sur la première République, la Old Republic. Et là, ça pourrait être vraiment très intéressant. Et là, donc, on pourrait imaginer qu'on puisse avoir vraiment une trilogie de meilleure qualité. Parce que là, en plus, voilà, la plus grosse erreur, je pense, c'est d'avoir mis l'épisode 7 à J.J. Abrams, d'avoir changé de réalisateur dans le 8. Et dans le 9, ils avaient des visions complètement incohérentes. C'était un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, je pense que la prochaine trilogie... Ouais, ils ont intérêt à faire des bons films parce que, en vrai, c'est con, mais c'est un investissement démentiel pour Disney. C'est pour ça qu'ils en font. Star Wars, l'univers est tellement étendu qu'il y a matière à faire. Il y a matière à faire beaucoup de choses. Ouais. Et puis ça serait intéressant de voir ce qu'ils ont perdu parce que je pense qu'ils ont perdu beaucoup. Hein. Moi, franchement, j'étais content d'aller voir Star Wars maintenant. C'est Lucas qui a tout gagné. Oui. Lui, il me la coupe à la maison. Je pense qu'il a gagné le bon gros chèque et qu'il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie.
Du coup, les amis, donc ça fait déjà 1h15, donc on va passer tout doucement sur la dernière partie de l'émission. Ça va être le mot de la fin, un peu le dernier verre. Donc si vous avez envie de vous resservir, c'est maintenant, pendant qu'on lance le jingle. C'est parti. Pour aller me servir. Que j'habite dans un palace. Ça, donc, écoute, à Vegas. À Vegas. Eric, fais gaffe, ça a commencé comme ça la dernière fois. Tu buvais la bouteille et t'as fini en slip. T'as pas vu, il est monté sur son scooter pour aller chercher sa bouteille. Bon, du coup, on va attendre quand même. Ça va être intéressant de voir. Donc, toi, du coup, Eric, c'est quand qu'on se fait un petit Warzone justement? Je vois que t'as pas peur de perdre. Je suis dans ton équipe. Non mais en vrai viens. Ouais, mais tu fais plaisir. Tu fais quoi ce soir? J'avais soirée, mais bon, c'est. Bah, en vrai, je suis confiné, donc quand tu veux. Pas avant 17h. Je m'interdis de toucher à la console avant 17h. T'as dit 20h tout à l'heure. Tu veux à 17h avec plaisir. Non, à 17h, je joue d'accord. En général de 17 à 20. Mais là, vu qu'on a eu l'apéro, je vais pouvoir jouer un peu plus tard. Je suis seul, mais je m'impose des règles terribles. Hein. Je m'engueule limite. Oh, c'est pas bien. C'est bien. T'as pas le droit de jouer. Ouais, je suis schizophrène aussi, en plus d'être impuissant. Ah, d'accord. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Non, mais avec grand plaisir. Bah, écoute, je vais le reconnaître. Jordan aussi, hein, si tu veux. Eh ben, écoute, ah, il faut que je l'installe. En fait. C'est vraiment terrible, mais je ne l'ai toujours pas installé. Il faut vraiment que je l'installe. Ok. Il y a 120 gigaoctets, donc ça va assez rapide. On pourra jouer la semaine prochaine. Du coup, pour ce dernier verre, ce dernier tour de table, on va faire, ça va être un peu le mot de la fin. Si vous avez des choses à annoncer, des choses à dire, un dernier mot pour finir, on va commencer par toi, Jordan. Dis-nous tout un peu, est-ce que toi, tu n'es pas créateur de contenu, tu nous suis sur les projets, mais du coup, non. Est-ce que tu as des choses de prévues, de bonnes choses après ce confinement? Est-ce que tu as des je sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin? C'est ton moment de parler. Ah ben écoute, après ce confinement, déjà, beuverie chez moi. Déjà, La fameuse. Ça a un peu commencé, hein, ça a un peu commencé. Non. Non, là c'est le before. Non, déjà ça, et puis faire un petit tour de famille, ce qui me semble essentiel, parce que je peux pas voir la famille puisqu'elle est loin. Et puis voilà, donc mon petit, il a envie de voir papy, mamie. Okay, voilà, tout simplement. On espère en tout cas que là, tu nous as dit que ça va un peu mieux dans ton taf, parce qu'au début, tu étais plus exposé, mais en tout cas, prends bien soin de toi. Parce que voilà, c'est. Ouais. C'est gentil. On te fournit des masques? Ouais, bah alors pour le coup, ma société, elle a été plutôt bien dotée. Et je pense qu'on a été même mieux dotés que des hôpitaux. Vraiment. Donc franchement, ça a été top. J'en revends pour 25€ le masque, si ça vous intéresse, je le dis à la communauté. Ah, 25€ le masque, je revends. Allez, chez lui, il n'est pas cher parce que chez moi, c'est 50. Hein. Regarde, je t'en fais en direct. Hop là, 25€. Alors, il paraît que le sopalin marche très bien en termes de masque, c'est vrai. Mais écoute, c'est Agnès Buzyn qui a dit ça. C'est Raoult, c'est Dr Raoult qui a dit ça. Non mais tant mieux. Je pense que c'est la grande psychose du moment, c'est le masque. Ouais. C'est le masque. Donc, moi, j'en ai pas. Il y en a pour tout le monde, c'est incroyable. Donc même nous, on est perdus, on ne sait pas. Donc, est-ce que quelqu'un sait ? Ce qui est normal, après c'est une nouvelle pandémie. Personne ne sait, ça change tous les 3 jours. Donc voilà. Toi, tu l'as ressenti, toi, dans ton taf ? Pardon ? Toi, tu l'as ressenti dans ton taf ? Que dans le jour ? Que ça a changé tout le temps Oui, parce que clairement... Ah, on t'a perdu. Les consignes sanitaires qui changent régulièrement. Une fois par semaine, on a un nouveau mail avec des directives de l'ARS qui nous donne les protocoles à suivre, quoi. Mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Un peu flippant. Hein. Ouais. Après, on fait avec. Hein, c'est le boulot. Hein, on a signé pour ça, donc. Ouais. Mais voilà. Après, on s'adapte. Bah, bravo. On s'adapte. En vrai, voilà. Sincèrement, bravo. Ben, c'est gentil. Ouais. Vous faites des rigolos, mais en vrai, c'est qui tape. Hein. Mais c'est vrai. Sérieux ? Nous, on fait pas avancer le monde. Qui sait ? Peut-être que le patin en croûte pourra sauver des vies. Hein. Peut-être qu'après, tu vas pouvoir les distribuer à différents organismes. Donc. Bien sûr. Demandez au professeur Raoult. C'est lui qui sait. Exactement.
Je précise que c'est du pain en plus. En croûte bio. Ah. Oui, alors que. Mange pas de la merde. Dieu, est-ce que j'avais dit un Dieu est revenu, hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, c'est... Du coup, Eric, on continue ce dernier verre. Donc, est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Est-ce que tu as une révélation à nous faire avec Dieu? Moi, je crois qu'on en a fait déjà beaucoup. En ce qui concerne Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais. Non, mais là, vous rigolez, mais. Quentin, je t'en prie. Donc, est-ce que vous voulez savoir où il est? Est-ce que vous voulez la question savoir comme ça. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez savoir où est ce fameux Xavier. Moi, en tout cas, je veux savoir un peu où il est. Alors après, ça dépend du chat. Non, bah oui, bah, ça dépend pas que. Alors, pour ça, vous envoyez à Eric et Quentin en DM. Vous envoyez sur Instagram, vous envoyez votre adresse. PayPal. Vous envoyez le numéro de carte bleue, bien sûr, avec le code de sécurité, très important, les trois chiffres, et nous vous donnerons la réponse. D'accord. Voilà. Ben, est-ce que moi, je vais pouvoir être privilégié? Je vous ai invité quand même. Est-ce que je peux savoir la réponse en dehors du chat, voilà, on fera... comme d'habitude, mais c'est très bien. Voilà. Comment ça se passe avec nous? J'ai juste un indice, la Papouasie. Allez, écoutez... Voilà. Vas-y, Jordan, hein, te gêne pas. Ouais. Jordan, il a dit le mot de la fin. Il a dit le mot de la fin. Donc. Jordan, moi, ça va. Jordan, chérie, t'en fais pas. C'est ton cœur. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que c'est plus simple pour bercer le gamin. Je tanque déjà. C'est ça, ouais. T'as plus besoin de bouger derrière. 6 ans non, plus tard, ouais. J'ai juste à essayer de me tenir droit, mais ça tanque quand même. Donc, c'est bien, c'est nickel. Papa, il arrête pas de boire. Ils sont bizarres, papa. Ils sont l'essence. Non, c'est pas l'essence. Je vais passer pour un gros alcoolique alors que... Alors que oui, pas du tout. Tu, pas du tout. Toi, tu vas être en sujet sur BFM TV. Ça va partir direct. Non, à mon stade, c'est confession intime. Tellement vrai. Du coup, écoutez, grand merci à vous trois. Merci. Bah, c'était très rigolo, je suis complètement sûr, comme à chaque fois, à chaque apéro, une fois par mois, c'est très rigolo. C'était très, très sympa, comme à chaque fois, ça fait un plaisir de vous recevoir, vous n'hésitez pas à repasser quand vous voulez. Bah non, c'est toi qui nous invite, okay. Bah, genre. Dis, le mec, alors je vous dis la vérité, c'est pas quand on veut, c'est lui qui invite. Tu vas pas pirater ton truc et rentrer. Et d'ailleurs, au niveau des cachets, ça se passe comment? Parce que tu sais, on a besoin de nos heures d'intermittence. On en parle après hors chat. Voilà, juste après, on continue. Voilà, donc dans le chat, on s'est bien marré ce soir. Merci Chris et aux invités. Bonne soirée à vous. Un énorme merci. Et regardez, et écoutez Le Grand Urbain sur France Inter en podcast. Demain, 21h ou en podcast. Sur les applis de France Inter. Si vous aimez pas le rap, écoutez. Si vous aimez le rap, écoutez. Je te coupe. Tu fais comme tu peux. Si vous aimez le rap, écoutez. Si vous n'aimez pas le rap, écoutez aussi. Comme l'a dit Barthes tout à l'heure, c'est même pour ceux qui ne sont pas néophytes, ça peut vraiment vous aider à découvrir la preuve. Voilà, donc, et c'est quand que vous lancez votre émission de jeux vidéo? Parce que Quentin, toi, ton domaine, c'est le rap. Toi, Eric, c'est le jeu vidéo. Faut lancer l'émission de jeux vidéo, là. On y pense. J'aimerais beaucoup. Il y a le manga aussi, mais c'est pas de l'ordre actuel. Et puis en plus, on a rencontré Jérémy Guillon avec Unit. Peux-tu nous en parler? Jérémy nous en parler, Chris. Donc, juste dans le chat, en tout cas, il y a Jeff qui nous fait à poil Eric. Donc, il y a des. À poil, oui. À poil. Toujours la même chose. Ouais, t'as vu, là, il n'a pas tout dégagé pour le faire. C'est une blague. C'est... Allez bon, tu pourras me donner son mail, on va lui faire une cam. Donc Jeff, n'hésite pas avec le PayPal d'envoyer ton mail, ça peut être plutôt intéressant. Il est reparti, putain, il va pas arriver à poil au monde pour de bon. Eric, c'était une blague. si, bah attends. Bah, il est à poil, c'est à poil. Hein. C'est... Eric, c'est une blague. Reviens Eric, il va sortir le Saint-Ol comme la dernière fois. moi je vais y aller les gars parce que j'ai mon pâté en croûte qui est au four là.
Mon Dieu, cette vidéo, je vais me rhabiller. Bon, voilà, donc rhabille-toi, mais pour Jérémy, on disait, pour Jérémy justement, qui lance son projet Unit, donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Surtout que il m'a convié à son projet, je vais participer avec lui. Putain, mais on fait de la promotion pour Jérémy avec Eric qui est à poil, putain, sans déconner, t'imagines le... Non, mais en vrai, alors, blague à part, le projet est hyper intéressant. Nous, on l'a rencontré, Jérémy, et je trouve que voilà, il y a une vraie volonté de faire quelque chose par rapport aux jeux vidéo, d'ailleurs avec toi, puisqu'à la base, on ne savait pas que vous vous connaissiez. Et voilà, c'est hyper intéressant. Coup, donc, son projet va être lancé prochainement. On attend de sortir, malheureusement, de cette crise, de pouvoir ne plus être confiné, parce que du coup, moi, il faut que je monte sur Paris. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui parlera essentiellement de jeux vidéo et qui va vraiment exploiter une nouvelle facette du jeu vidéo, justement, en abordant des thématiques un peu qui fâchent, les femmes dans le jeu vidéo, l'accessibilité dans le jeu vidéo. Donc, il va y avoir plein de choses vraiment intéressantes. C'est un projet qui sur lequel il bosse depuis 3 ans. Donc voilà, n'hésitez pas sur Twitter à suivre le compte Unit. Je le partagerai de toute façon dans la description de la vidéo. Ouais, c'est Unit, on est d'accord. Ouais. Non, Rushdown, pardon, ouais. tu m'induis en erreur, ça a changé, c'est Rush... Voilà. Ça s'appelait, pardon, excusez-moi, effectivement, ça s'appelait Unit à la base et maintenant c'est Rushdown. On va plus t'inviter. Tu racontes n'importe quoi, là, on a... Donc, depuis tout à l'heure... Non. Et voilà. C'est reparti. C'est une blague, Eric. C'est une blague. Bien sûr qu'on va te. Oh. Christ, ouais, mais... quand même. Hein. Ouais. On va dire avec des pincettes. Eric, c'est une blague. On parle que c'est Rushdown et on espère que. Du coup... Mais tu vois, je lui ai dit la dernière fois. Je fais la même connerie. Quentin, fais quelque chose. Si tu connais mieux, fais quelque chose. Comment tu fais pour le. Ben, j'appelle. J'ai le numéro direct des infirmiers. Tu sais, les infirmiers qui viennent le chercher. Non, mais allez voir le projet Rushdown. Et du coup, est-ce que. Franchement, en plus, c'est cool. Bien, on aura la chance de pouvoir vous voir sur Rushdown pour parler jeux vidéo. Avec plaisir. Et manga aussi, on donc, aimerait bien. Donc, en tout cas. Ça manque. Ouais, on n'a pas parlé de manga. On peut repartir pour 1 heure si vous voulez. Hein. Non, on va vous laisser tranquille. Mais une prochaine de manga, écoute, moi je suis avec grand plaisir. De toute façon, comme on l'a dit, l'apéro du JV continue, donc il n'y aura pas de soucis pour que je puisse vous réinviter pour qu'on puisse parler manga. Quand vous voulez, vraiment ouais. Génial. Dans le chat, ils ont vraiment adoré, donc merci à vous. Donc on le dit, si vous regardez en live, de toute façon, c'est Eric et Quentin sur Twitter, vous aurez tous les liens. Jordan, toi tu n'es pas créateur, mais en tout cas, un énorme merci d'avoir participé. Non, mais il est courageux, bravo, Jordan. Big up. On te verra, Montélimar. Non, sans rire. Ah ouais, bon riz, les gars. Voilà, bon donc. Oula, tu quand même. On sera là. Le mec s'enflamme un peu. Ça va. C'est bon de la gueule, en fait. On fait la fête. Oui, d'accord. Non, mais sans problème. Avec plaisir. On va en parler avec plaisir. Et moi, je vous tiens au courant, d'ailleurs, pour votre venue à Montélimar. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à suivre Eric Quentin sur les réseaux sociaux, le projet Rushdown. Et attends, moi sur mon Instagram perso, je mets les recettes du pâté en croûte. Tous les jours, j'actualise. Allez voir, vous êtes plus de 50 en ce moment, donc à me suivre tous les soirs. Donc n'hésitez pas. Je mettrai dans la description de la vidéo les Twitter, les Instagram, etc. pour être sûr de ne rien rater. Il y a Fouxounet qui nous dit bonne soirée, c'était vraiment sympa cet apéro. GG à vous, bonne soirée. Donc merci au chat, merci à vous. On se donne rendez-vous demain pour le dernier apéro de... Non, sur Warzone. J'arrive sur Warzone. Dans 10 minutes, je vous attends sur Warzone. En vie de ma mère, je vais vous déglinguer. Je suis au bouclier, bazooka, je vais vous déglinguer. Donc rendez-vous sur Warzone. C'est la guerre, comme dirait Marc. C'est la guerre. Et rendez-vous demain, donc, du coup, pour la dernière apéro de la semaine. Et puis après, on se retrouve dès lundi pour continuer. Merci à tous et passez une bonne soirée. Salut, merci à vous. Salut, merci. Ciao.